Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir deux fonctions qui sont tout simplement grande valeur et petite valeur. Alors, voici un petit exercice simple pour se mettre en forme. Vous voyez que ici, j'ai un petit tableau avec une colonne avec les mois de janvier jusqu'à décembre et à côté, le chiffre d'affaires réalisé par exemple par la force de vente. Et moi, je souhaite savoir quel a été donc le mois le plus rentable, donc où on a fait le plus gros chiffre d'affaires. Le deuxième mois le plus rentable, le troisième mois avec le plus gros chiffre d'affaires. Et je vais faire l'inverse. Quel a été le mois avec le plus petit chiffre d'affaires, le deuxième et le troisième. Alors, on va commencer avec une fonction simple qu'on a déjà vue dans le passé, qui est la fonction max. Donc, pour cela, je vais me mettre ici pour la plus élevée, tout simplement dans la cellule où je veux mon résultat, E3. Je vais chercher dans l'onglet accueil le symbole sigma, le voici, sigma, à côté vous voyez somme automatique, et juste là vous voyez qu'il y a une petite flèche. Je clique sur la petite flèche, j'ai un menu déroulant qui apparaît, et je vois max, je clique sur max, et maintenant je vais faire un clic gauche, vous voyez, sur le chiffre d'affaires de janvier, et avec le clic gauche que je maintiens, je vais glisser jusqu'à décembre. Voilà, max de B2 jusqu'à B13, et je le fais entrer. Et il m'a trouvé le plus gros chiffre d'affaires. Je fais la même chose pour le plus petit, donc je vais chercher la cellule où je veux mon résultat, donc ici en E7, et pareil que tout à l'heure, dans l'onglet accueil, je vais chercher le symbole sigma somme automatique, la petite flèche qui est à côté, je mets un petit clic sur la petite flèche, le menu qui apparaît, je vais sélectionner mine en faisant un clic gauche dessus. Et maintenant, je vais, comme tout à l'heure, sélectionner donc les valeurs de B2 jusqu'à B13. Et vous voyez, mine de B2 à B13. Je fais entrer, il m'a trouvé la plus petite valeur. Alors, maintenant, pour trouver la deuxième plus grande valeur, on va utiliser justement donc une fonction qui s'appelle grande valeur. Je me mets dans la cellule où je veux mon résultat. Donc ici en E4, je mets égal pour passer en mode calcul fonction, et je vais écrire grande, voilà, pour grande valeur. Je double-clique dessus, et je vais utiliser l'assistant fonction, qui se trouve juste ici à côté de la barre de formule. Un clic dessus, et il me met, vous voyez, la fenêtre de l'assistant fonction en me donnant les arguments de la fonction. Ici, deux arguments, matrice, qui est tout simplement la plage de données, donc, bah, comme on a fait tout à l'heure, sélectionner les données, de B2, un clic gauche, et je glisse jusqu'en B13. Et ensuite, K, c'est le rang que je souhaite connaître. Donc ici, c'est la deuxième plus grande valeur, donc je mets 2. Et vous voyez qu'il m'a trouvé la deuxième plus grande valeur, sans aucun souci. Je fais OK pour valider. Et pour vous montrer que ça fonctionne bien, égale grande valeur. FX. La matrice, donc toujours un clic gauche sur B2, et je maintiens le clic gauche, et je glisse jusqu'en B13, et le rang K, troisième rang. Et il trouve un peu plus de 3 millions. Ce que j'ai fait, bien sûr, pour les grandes valeurs, je vais faire pour les petites, et donc cette fois-ci, au lieu d'utiliser grande valeur, je mets égal, et j'écris petite valeur. Vous voyez ici, petite valeur, je double-clique, FX, et je retrouve toujours ma fenêtre, mais avec les mêmes arguments, vous voyez, la matrice qui est à la plage de données, donc toujours de B2, et je vais glisser jusqu'à B13. Et ensuite, le rang, qui est ici le deuxième. Et vous voyez qu'il a déjà trouvé. Et je fais entrer. Et je vais faire pareil pour la troisième plus petite valeur. Donc, égal pour passer en mode calcul fonction. Et j'écris petite. Je double-clique dessus. FX pour voir l'assistant. La matrice, c'est toujours de B2 jusqu'à B13 en glissant avec le clic gauche. Et le rang ici, le rang K, c'est le troisième rang. Et je fais OK. Bien. Maintenant, je pourrais très bien arrêter ici. Mais supposition, juste pour un peu, je dirais, aller un tout petit peu plus loin. Je souhaite connaître quel est le mois où j'ai fait 4,9 millions, quel est le mois où j'ai fait 3,4 millions, etc., etc. Alors, je pourrais faire des triés, filtrer, etc. Mais du coup, ça, un peu compliqué, ça va bouger. Bon, une partie du tableau, tout ça. Voilà, ça va être un peu compliqué. Moi, je préférerais mieux les voir apparaître sans problème, que c'est Excel qui va les chercher. Alors là, il y a deux solutions. Soit j'ai un Excel, je dirais, un peu ancien, type Excel 2010, 13, 16 et 2019.
Et dans ce cas-là, je dois utiliser deux fonctions qui s'appellent index et kiv. Soit j'ai une version plus récente, donc à partir d'Excel 2021, ou si j'ai une version par abonnement, donc Excel 365, je peux utiliser une fonction recherchex. Donc on va commencer avec la fonction recherchex. Alors, pourquoi ne pas utiliser une fonction recherchev? Parce qu'on pourrait très bien me dire, utilisons une fonction recherchev. Ben, ce n'est pas possible, car vous voyez que je vais devoir ici chercher donc le chiffre d'affaires dans la colonne chiffre d'affaires. Et une fois que j'ai trouvé le chiffre d'affaires, 4,9 millions, je dois prendre le mois. Et du coup, vous voyez que c'est une recherche verticale qui va de la droite vers la gauche. Or, la recherche V ne sait faire qu'une recherche verticale de la gauche vers la droite. C'est pour ça qu'ici, je ne peux pas l'utiliser. Or que recherche X va dans n'importe quel sens. Alors, je me mets dans la cellule où je veux mon résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je commence à écrire recherche. Alors, bien sûr que si vous ne trouvez pas recherche X, c'est qu'elle n'est pas dans votre version. Et dans ce cas-là, vous devrez utiliser la deuxième solution avec index et kiv. Alors, je passe un peu vite sur la construction de leur recherche X et je passerai aussi vite sur index et kiv. Car si vous voulez avoir un peu plus de précision sur RecherchX, je vous propose d'aller chercher dans mes anciennes vidéos. Vous trouverez une vidéo formation sur RecherchX. Donc je double-clique dessus. J'utilise FX. Valeur cherchée, donc c'est 4,9 millions. Je vais le chercher, donc je me mets en dessous, dans quelle partie du tableau, en colonne B. Et une fois qu'il a trouvé, il va chercher le mois en dans quelle colonne, en colonne A. Donc tableau renvoyé, et je mets colonne A. Donc, je vais chercher le chiffre d'affaires dans la colonne B, et quand il a trouvé, il va en colonne A pour aller chercher le mois. Si c'est non trouvé, je pourrais marquer un petit message. Désolé, j'ai pas trouvé. Enfin, voilà, ce que je veux. Et le mode de correspondance, ici, donc c'est si c'est une valeur exacte, approximative, etc. Donc, allez voir l'aide hein, de mon ancienne vidéo. Et là, je mets 0. Et vous voyez qu'il me dit octobre. Donc, si je regarde, 4,9 millions, effectivement, c'est bien au mois d'octobre. Je fais OK. Et là, si je souhaite, je peux prendre et glisser. Et vous voyez qu'il m'a bien mis... Alors, j'efface, bien sûr, puisqu'ici, il n'y a pas de valeur à chercher. J'efface le 0. Et le 4,9 millions est en octobre. Le 3,4 millions en décembre. Et si je regarde à la fin, 1,6 millions en mars. Et 1,7 millions en novembre. Ce qui est parfait. Deuxième solution, comme j'ai dit, avec index et kiv. Donc là aussi, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir ma vidéo formation pour avoir un peu plus de précision comment fonctionnent ces deux fonctions imbriquées. Mais je vais le faire un peu vite et ce n'est pas très compliqué quand même. Donc je me mets toujours dans la cellule où je veux mon résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je commence par la fonction index. Voilà. Et vous pouvez voir à quoi elle sert. Je double-clique. Alors ici, je vais commencer par lire ce qu'il veut. Il veut une matrice. Donc une matrice, c'est un tableau. Donc ici, je vais sélectionner tout mon tableau de A1 jusqu'à B13. Alors attention, n'oubliez pas que je vais tirer ma formule vers le bas. Comme cette formule ici, j'ai référencé A1 à B13. Donc si je tire vers le bas, mon tableau va se décaler. Donc pour empêcher que ça bouge, je vais figer mon tableau avec des dollars. Voilà. Donc là, j'ai mis tout simplement dans ce tableau, donc matrice. Maintenant, il faut le numéro de la ligne. Donc c'est ici que le numéro de ligne rentre la fonction équive. Voilà la fonction équive. Renvoie la position. Parfait, c'est ce que je veux. Double-clic. La valeur cherchée, ben, je vais chercher 4,9 millions, tout simplement. Point-virgule. Il va aller chercher dans quel tableau ? Bah, dans la colonne B, donc de B1 jusqu'à B13. Je pense à mettre les dollars pour quand je vais tirer vers le bas. Point virgule. Le type, 1 si c'est inférieur, 0 si c'est exact, moins 1 si c'est supérieur. Moi, je cherche une correspondance exacte, donc je mets 0. Et je ferme la parenthèse. Point virgule. Il me demande ici le numéro de la colonne. Bah, le numéro de la colonne, ça sera tout simplement le mois qui se trouve en colonne 1. Donc je mets 1 et je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez qu'il m'a trouvé octobre. Si je prends ma fonction et que je tire, et que je pense à effacer le diazena vu qu'il n'y a rien à trouver,
vous voyez que les correspondances sont exactes. Que j'utilise une recherche X ou que je te l'ai et j'utilise index equiv. Aucun problème. Voilà. Exemple 2. Alors l'exemple 2, et je vais passer assez vite parce qu'il n'est pas très compliqué et que c'est simplement pour montrer qu'on peut utiliser donc max et grande valeur, petite valeur sur plusieurs colonnes. Ici, je cherche la valeur la plus élevée. Donc, comme tout à l'heure, dans l'accueil, je vais chercher le sigma somme automatique, la petite flèche, je clique dessus, je vais voir max, un clic gauche sur max, et je vais sélectionner tous les nombres de mes trois colonnes. Je fais entrer, et vous voyez qu'il m'a trouvé 49 399 qui se trouve ici. Donc, c'est la valeur la plus grande. Deuxième valeur, donc comme tout à l'heure, je ne peux pas utiliser max, donc je vais utiliser égale grande valeur. Je double-clique sur grande valeur, fx, et là vous allez voir, c'est pas plus compliqué que tout à l'heure. La matrice, bah, c'est tout simplement tous les nombres, donc je fais comme pour max, je sélectionne toute la plage de A2 à C18, et je cherche le deuxième, donc je mets 2. Voilà. 48 531 qui se trouve ici, et je fais OK. Et ce que j'ai fait, bien sûr, pour la deuxième, égale grande valeur, pas de souci, je peux le faire pour la troisième. Fx. Je sélectionne mon tableau de A2 jusqu'à C18 et je mets 3. Pour la plus petite, donc comme on a fait tout à l'heure avec mine, dans l'accueil, je cherche le sigma somme automatique, la petite flèche, je vais chercher mine, un clic gauche dessus et je vais sélectionner les nombres de A2 jusqu'à C18 et je fais entrer. Pour la plus petite valeur, comme on a fait pour la plus grande, égale petite valeur. Je double-clique sur petite valeur. Fx. Là aussi, il souhaite donc avoir le tableau de matrice. Donc de A2, je vais sélectionner jusqu'à C18. Et le rang K est le deuxième, puisque je cherche la deuxième plus petite valeur. Je fais OK. Et maintenant, je peux faire pour la troisième plus petite valeur, égale. Donc, petite, je double-clique dessus, fx, je sélectionne la matrice de A2 jusqu'à C18 avec un clic gauche et en glissant, et je veux le troisième rang, donc je mets en K3, et j'ai trouvé. Bien, vous voyez, très simple. Et donc, nous allons passer à quelque chose de plus compliqué. Exemple 3. Alors, je vous explique un peu mon exemple 3. Donc, ici, vous voyez que j'ai un tableau avec des dates de vente, avec des produits, iPad, PC portable, Surface, Mac, etc. Des quantités de vente. Et ça, j'en ai, comme vous pouvez voir, sur beaucoup, 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 beaucoup de lignes. Jusqu'à 200 lignes. Et moi, ce que je souhaite, c'est savoir quelle a été la plus grande donc, la vente d'iPad, la plus grosse, la deuxième plus grosse, la troisième plus grosse, etc. Alors ici, par contre, je suis bloqué parce que je dirais... pour utiliser Max, c'est un peu plus complexe. Bon. Et surtout que, je dirais, ça ne ferait que la plus grande. Donc, on va directement passer à une fonction grande valeur sur la plus grande. Alors, je me mets en H2. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je vais utiliser donc, la formule, comme on a vu tout à l'heure, grande valeur. Voilà. Et donc, maintenant, on va lui dire si, et j'ouvre la parenthèse, si de B2 à B200, donc vous voyez, je vais sélectionner de B2 jusqu'à B200, si de B2 à B200, je pense à mettre les dollars pour que je puisse tirer ma petite formule, est égal à E2. Et je vais mettre là aussi des dollars. Donc si de B2 à B200, c'est égal à iPad, point virgule, alors je vais chercher dans la colonne C la valeur
et je pense à mettre les deux là. Donc, je vais chercher la grande valeur. Si dans B2 jusqu'à B200, c'est égal à E2, donc si dans cette colonne, c'est égal à iPad, alors je vais chercher la valeur qui se trouve en colonne C. Point virgule. Sinon, je mets 0 et je ferme la parenthèse. Point virgule, je cherche quoi ? La plus grande valeur, donc quel rang 1, je mets 1 et je ferme. Je fais entrer et vous voyez qu'automatiquement il m'a trouvé 9965. Je prends, je glisse et je n'ai plus qu'à changer ici en disant la deuxième plus grande valeur. Et ici, je peux dire la troisième plus grande valeur. Voilà. Donc j'irai pour grande valeur, pas très compliqué. Ah, si je reclique là où il faut, pas. Voilà, donc vous voyez, et grande valeur, parenthèse, si dans la colonne B, donc de B2 à B200, c'est égal à E2, iPad, donc si dans cette colonne produit, c'est égal à iPad, alors il va me chercher la valeur qui se trouve en colonne C, sinon il met 0, et ensuite je cherche la, donc plus grande valeur, je mets 1, et ensuite il suffit simplement de mettre 2 pour la deuxième et 3 pour la troisième. Maintenant, passons aux petites valeurs. Donc, je me mets dans la cellule H6 et je mets égal pour écrire tout simplement en calcul fonction petite pour petite valeur. Voilà. Et je vais faire comme tout à l'heure, petite valeur, si, et j'ouvre la parenthèse, si, et je resélectionne donc 2B2 jusqu'à B200 en mettant les dollars. Voilà. Si de B2 à B200, c'est égal à, je vais prendre ici E6, puisque maintenant je change pour les petites valeurs, je mets un dollar aussi. Donc si dans la colonne B2, c'est égal à iPad, point virgule, je vais sélectionner dans ce cas-là de C2 jusqu'à C200 pour aller chercher les valeurs, et je mets aussi des dollars. Point virgule. Pardon. Donc, si dans la colonne B2 à B200, je trouve donc iPad, dans ce cas-là, je vais chercher les valeurs de C2 jusqu'à C200. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Et je veux donc la plus petite valeur, donc je mets 1. Je ferme la parenthèse, je fais entrer, et vous voyez qu'il me dit 428. Je prends, je tire vers le bas, et maintenant il ne me reste plus, en double-cliquant, d'aller modifier le 1, et de mettre 2. Je fais entrer, et je double-clique, et au lieu ici de dire 1, je mets 3. Voilà. Donc ici, vous voyez, si j'ai plusieurs valeurs et que je dois chercher, je peux imbriquer une fonction si dans une grande valeur. Si dans la colonne de B2 à B200, il y a écrit iPad, alors je vais chercher la valeur de C2 à C200 et la première valeur. Et pour les petites valeurs, vous voyez, pareil, petite valeur, si de B2 à B200, il trouve iPad, alors il va chercher les valeurs dans C2, C200. Bien, ça c'était le deuxième. Maintenant, troisième exemple, pardon. Quatrième exemple, on va beaucoup plus puissant. Ici, j'ai des dates, 2021, 2022, etc. Vous voyez que j'ai plein de 2021, 2022, pas de souci. J'ai différents produits. Et je souhaite connaître la plus grosse commande d'iPad en 2021, la plus grosse en 2022, avec des dates mélangées. Donc là, on monte d'un niveau beaucoup plus puissant. Alors, pour cela, donc je me mets toujours dans la cellule où je veux avoir mon résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je vais utiliser grande valeur. Voilà.
Et là, on va utiliser des fonctions matricielles. Donc, on va passer à un niveau bien au-dessus. Donc, ici, on va utiliser... Je vais chercher de B2 jusqu'à B200. Je mets des dollars. Voilà. Est-ce que c'est égal à E2? Je mets aussi voilà, des dollars. Je ferme la parenthèse. Donc, grande valeur. Il va aller chercher de B2 à B200 si c'est égal à iPad. Ici, je mets le symbole multiplier donc l'étoile. J'ouvre la deuxième parenthèse. Et maintenant, bah, c'est par rapport à l'année. Donc, je vais devoir utiliser une fonction année. Année, j'ouvre la parenthèse, et je vais aller chercher l'année dans la colonne où il y a les dates. Donc de A2 jusqu'à E, donc A2 jusqu'à A200, je mets des dollars. Est-ce que c'est égal? Donc, pardon, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Est-ce que c'est égal à H1? Et là, je vais pouvoir mettre ici un petit dollar. H dollar 1 pour quand je vais tirer vers la droite. Je ferme la parenthèse. Je mets le symbole multiplié. Et dans ce cas-là, je vais aller chercher quoi? Ben, les quantités. Donc, j'ouvre une parenthèse et je vais sélectionner de C2 jusqu'à C200 et je mets 1 $. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc ici, j'ai mis plusieurs conditions. Il faut qu'il aille voir dans la colonne B, donc vous voyez, de B2 à B200, si c'est égal à iPad. Première condition. Deuxième condition, je prends l'année, donc des dates en colonne A de A2 à A200. Est-ce que c'est égal à 2021? Et dans ce cas-là, il va chercher dans la colonne C les valeurs. Point virgule, et je veux le premier rang, donc je mets 1. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Il me dit que pour 2021, c'était 9881. Donc si je prends et que je tire, impeccable, je peux même tirer vers le bas, et par contre, il ne me reste plus, comme tout à l'heure, à double-cliquer et à changer ici en mettant 2 et ici en mettant 3. Et maintenant, pour 2022, je double-clique, j'efface le 1, je mets 2, et ici, j'efface aussi le 1 et je mets 3. Alors, c'est bien, mais par contre, ça devient beaucoup, beaucoup plus complexe sur la petite valeur. Pourquoi? Parce que si j'utilise la même fonction, ici, le même ordre d'idées, le problème que je vais avoir, c'est qu'il remplace les valeurs qui ne sont pas valides. Donc, par exemple, comme ici, tout ce qui n'est pas iPad, qui n'est pas de 2021. Enfin, tout ce qui n'est pas iPad, déjà, dans un premier temps, il va mettre 0. Et s'il y a des iPads, mais que ce n'est pas 2021, que c'est 2022, il va mettre 0. Donc ici, je vais me retrouver avec les valeurs seulement pour, comme j'ai dit, iPad et 2021. Donc pour les grandes valeurs, pas de souci. Mais pour les petites valeurs, je vais avoir plein de 0. Donc je dois aussi exclure toutes les valeurs 0. Donc pour ça, on va ici donc augmenter encore la complexité de la fonction. Alors, pour la petite valeur, donc je mets égal, je mets petite valeur, j'ouvre la parenthèse. Alors, le début, c'est foncièrement pas différent de ce que j'ai fait. Donc, pareil, je vais sélectionner de B2 jusqu'à B200, je mets des dollars, je regarde si c'est égal à E6, iPad, et je mets des dollars. Je ferme la parenthèse. Et je mets. Et
j'ouvre la parenthèse. Je refais la fonction année. Fonction année, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne dans A. Donc de A2 jusqu'à A200, je mets des dollars. Je ferme ma parenthèse. Jusque-là, pas de souci. Et je mets est-ce que c'est égal à H1. Donc en mettant un petit dollar devant le 1. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. Bien. Je mets encore une étoile pour E. J'ouvre la parenthèse. Et je vais chercher mes valeurs dans C. Et je descends donc jusqu'à C200. Je mets les dollars. Voilà. Et je ferme. Et comme j'ai dit, je pourrais très bien mettre, par exemple, pour que vous voyez, hein, point virgule 1. Je ferme la parenthèse. Alors, ah, j'ai ouvert deux fois des parenthèses ici. Voilà. Et je fais entrer. Et vous voyez qu'il me met 0. Et c'est ça le problème, c'est que toutes les valeurs, enfin, toutes les conditions, dès qu'il y a une condition qui n'est pas valide, comme ici PC portable, il met 0. iPad, ça c'est bon. 2022, il met 0. Et du coup, j'ai plein de valeurs avec 0, donc c'est ça la problématique. Donc il va falloir enlever toutes ces valeurs 0, et c'est là où on va commencer à s'amuser. Alors bien sûr, je vais essayer de ne pas trop complexifier. On pourrait faire, bien sûr, qui va chercher aussi, vous allez voir, les années, mais bon, on va rester simple, je vais juste les rentrer à la main. Donc ici, je pars sur une fonction nbval, donc je vais calculer donc nbval. Voilà, vous voyez, détermine le nombre de cellules. Donc, je vais calculer combien il y a de valeurs dans la colonne C. Voilà. Parfait. Je mets des dollars. Donc, je vais calculer combien il y a de, combien il y a de valeurs déjà. Voilà. Moins NBC. NB.science. Et je vais rentrer maintenant les conditions pour lesquelles je souhaite enlever. Alors, qu'est-ce que je souhaite enlever? Ben, je souhaite déjà NB Science, enfin enlever, enlever toutes celles qui sont comprises entre, on va dire, enfin pas compris, comment dire, je vais garder celles qui sont comprises et enlever celles qui ne sont pas comprises. Donc, je prends toutes les valeurs en A. Voilà. Je mets des dollars, donc là je prends, vous voyez, la plage de critères, donc je prends tout ça, de A2 jusqu'à A200. Je veux, quoi, bah, toutes les dates qui sont supérieures ou égales au 1er janvier 2021. Donc ici j'aurais pu utiliser une fonction avec concaténer avec... Donc, esperluette pour dire 2021, il va le chercher directement dans la cellule. Mais là, on va le mettre pour pas encore rajouter une surcouche. Déjà qu'il y en a assez, on va rester juste à écrire. Donc, je vais chercher toutes les valeurs qui sont comprises, donc supérieures ou égales au 1er janvier 2021, point virgule. Je vais chercher toutes les valeurs qui sont comprises en mettant dollars. Donc ça, c'est la deuxième plage de critères. Le deuxième critère, bah, c'est compris, cette fois-ci, avec le inférieur ou égal au 31 décembre 2021. Donc du coup, je vais exclure tout 2022. Voilà. Point virgule. Donc j'exclus, donc je prends toutes les valeurs, moins, donc comme ça... les valeurs de 2022, donc je garde, comme vous pouvez voir, que les valeurs comprises entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Maintenant, bah, il y a le fameux iPad. Donc, je vais chercher ici, en colonne B, je mets des dollars. Donc ça, c'est la plage de critères, point virgule, mon critère iPad, en mettant des dollars. Voilà. Plus 1
pour avoir. Donc là, en gros, j'ai calculé combien j'avais de valeurs. Donc en gros, j'ai exclu tous les zéros grâce à cette NBC. Donc j'ai calculé combien il y avait de valeurs, moins toutes celles qui sont comprises donc, dans la bonne année avec le iPad. Et je rajoute 1 plus 1 pour avoir le premier, justement. Sinon, j'aurai le dernier zéro. Et je fais entrer, et vous voyez qu'il me dit 2992. Je prends, et si je glisse, là, pareil, il me trouve 2992. J'ai plus qu'à changer, ici, le petit dernier. J'enlève le 1, je mets un 2, plus 2. Et ici, j'enlève le 1, et je mets un 3. Si je prends et que je tire, donc comme j'ai dit, j'ai pas fait pour qu'il soit automatisé au niveau des années. Voilà, donc ici, il va falloir changer et on va mettre 2022 et ici 2022. 428, si je prends et je tire vers le bas, je trouve 428 partout. Je n'ai plus qu'à changer, maintenant que j'ai changé les années, j'ai plus qu'à changer ici le 1 en 2 et le 1 en 3. Donc beaucoup plus dur, hein. Vous voyez, on complexifie, mais on peut très bien arriver à faire des, comme ça, des petites et grandes valeurs sur des données par rapport à plusieurs colonnes. Donc, vous voyez ici, pour la grande valeur, donc je vais chercher tout simplement les produits qui sont égales à iPad et les dates dont l'année est égale à 2021, et je vais chercher les valeurs. Et je cherche le premier rang, le deuxième, etc. Deuxième, troisième. Et ici, je passe en 2022. Donc, comme vous pouvez voir avec $1, je suis passé en 2022. Je cherche le premier rang, le deuxième truc. Ici, comme je vous ai dit, dès qu'il y a des conditions qui ne sont pas remplies, il remplace la valeur par 0. Donc, j'ai dû faire la même recherche, petite valeur. Je cherche tout ce qu'il y a en colonne B qui est égal à iPad. Toutes les dates dont l'année est égale à 2021. Et je vais chercher les valeurs. Par contre, je dois calculer, donc pour savoir combien le rang de la valeur, je dois calculer combien il y a de valeur, moins, et je vais calculer donc tout ce qu'il y a en 2021 et tout ce qu'il y a d'iPad, et je rajoute plus 1. Et du coup, j'arrive bien à trouver ici, vous voyez, sans problème, après en remplaçant 2 et 3, et ici en remplaçant 2021 par 2022. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.